J'ai vu une famille avec laquelle je dois prier. C'est une famille de l'Ouest qui appartient à une famille qu'on appelle comme ça. Comme ça. Hein? La famille ici, il y a un nom comme ça. Ça, comme ça. Ça. Je suis de l'Ouest. C'est une famille rattachée à la chefferie. Hein. C'est rattachée à la chefferie. Venez, ça c'est qui? Ça c'est mon grand-père. Ah, non, votre grand-père s'appelle ça. Oui, moi-même je suis ça. Vous, mais c'est ça. Oui. Venez. Mettez-vous comme ça. Vous, vous êtes marié? Oui, papa. Votre mari est où? Parlez fort. Votre mari est où? Bakari à Mendon. Hein? Mendon. Il est à Mendon. Oui, Sakado. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Ok, d'accord. Votre grand-père s'appelle ça. Your grandfather is called. Vous aussi, vous dites, vous appelez ça. Oui, aussi. Hein? Moi, c'est ça, Anabeli, son homonyme. D'accord, son homonyme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais prier pour vous. Like votre famille. Parce que quand le Seigneur m'a montré la famille ici, c'est pas loin de la chefferie. Hein? Votre famille n'est pas loin de la chefferie. Ça veut dire que si j'ai vu cette vision, ça signifie que votre grand-père était relié à la chefferie. Hein? Il était relié à la chefferie. D'accord. Maintenant, regardez. Votre famille a besoin d'une Joséphine. Hein? Votre famille a besoin d'une Joséphine. Quand je parle de Joséphine, when I speak of Joséphine, hein, c'est le Joseph au féminin. Joseph et le féminin. Est-ce que Dieu peut faire d'elle la Joséphine de sa famille? God make of her the Josephine of her family. Vous savez pourquoi je dis ça? Do you know why I say Parce que votre famille, because your family, c'est une famille où il y a beaucoup de pratiques. Vous comprenez? Il y a beaucoup de traditions. Quand je parle de pratiques, je parle d'un fanatisme qui n'a pas de nom à la tradition. Depuis le temps de votre grand-père ça, jusqu'aujourd'hui, il y a une partie de votre famille qui est attaché au culte des ancêtres. Oui, papa. On ne joue pas avec. Le culte des ancêtres, c'est quelque chose de très sérieux. Et à l'époque de votre grand-père ça, il y a des coutumes qui avaient été faites quand il était encore jeune, qu'on faisait dans votre village. Des coutumes de consécration des jeunes garçons. Et votre grand-père a été initié à cela. C'était un grand notable dans votre village. Un notable parmi les sept notables qui entouraient le chef. C'est vrai, papa. C'est vrai. Parce que Dieu m'a mené dans le palais. Dans le palais. Et quand Dieu m'a mené dans le palais, j'ai vu des notables. J'ai vu ça parmi les sept notables qui avaient le pouvoir de vote. Hein? Qui avaient le pouvoir de vote. Qui étaient des conseillers du roi. Et qui votaient les lois traditionnelles. Et c'est quelqu'un qui avait été très puissant à son époque, très respecté. Maintenant, écoutez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un héritage maléfique dans votre famille que je veux briser. Merci, papa. Vous comprenez? Parce qu'à l'heure où je parle, vous êtes marié, mais votre mariage n'a pas de sens en fait. C'est-à-dire que financièrement, ça ne va pas. Vous êtes en train de vous battre. Vous vous battez, les choses sont compliquées. Et c'est comme ça, quand on regarde autour de vous, dans toute la famille, c'est la même chose. Et Dieu m'a dit de prier sur vous pour que vous deveniez la Joséphine ou le Joseph de votre famille. Vous avez eu à faire le commerce? Oui, papa, j'ai une boutique de mèches. Vous avez une boutique de mèches? Oui, coiffeuse encore. Vous êtes, hein? Coiffeuse. Donc vous vous battez comme ça. D'accord. Est-ce que je peux appeler le miracle dans vos finances? Est-ce que je peux faire ça? Amen, papa. Madame, est-ce que j'ai déjà causé avec vous un jour? Je vous ai reçu. On n'a jamais causé, n'est-ce pas? Ok, regardez. Est-ce que je peux prier cette femme devient multimillionnaire ce soir? Écoutez, lorsque nous parlons
Les gens peuvent penser que c'est les jeux. La Bible dit par un prophète, Israël fut appelé hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël devint une nation. Donc je peux parler au nom de l'Éternel. Elle sort de l'Égypte, c'est-à-dire de sa servitude. Je peux mettre fin à sa servitude ce soir. Et je peux prophétiser. Et elle devient riche, elle devient une nation, elle devient ferme. Maman, levez-vous, laissez-moi vous dire quelque chose. Laissez-moi vous parler. Zamaritza ou Delos inframita. Je vais commencer par où? J'entre dans son agenda, l'agenda de sa destinée. J'ai page 1, page 2, page 3, page 4. Je vais prendre quelle page? Deuxième page. Je prends la deuxième page. I take the second page. Regardez. Look. Laissez-moi dire quelque chose. Let me tell you. Je prophétise sur votre vie sentimentale. Je prophétise sur vos finances. Je prophétise dans quel département de votre vie. Je commence par quoi? Je commence par quoi? Vous voulez que je commence par quoi? Pas le premier. Pas le premier. D'accord. Le premier c'est quoi? What is the first? Les finances. D'accord. Regardez. Look. Il y a quelque chose que je vais appeler à l'existence dans votre vie cette année. Vous comprenez? Quand je vous ai vu, j'ai commencé à voir des choses vous concernant. Et dans vos finances, j'ai vu une jeune femme qu'on appelle Marlise. J'ai vu une jeune femme qu'on appelle Marlise. Et la jeune fille ici, c'est comme une cliente. C'est une cliente à vous. Je la vois venir acheter la marchandise chez vous. Et après, elle repart. Et il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je peux vous dire. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Dieu va utiliser Marlise pour que cette prophétie soit accomplie. Amen. Yes. Vous savez, lorsque nous prophétisons, nous parlons des choses folles. Quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire. Elle-même ne comprend pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Cette année, Marlise aura des opportunités. Et dans ces opportunités, elle voudra une grande quantité de marchandises. Elle viendra vous voir pour vous dire qu'elle veut que vous lui fournissiez la marchandise en quantité. Amen. Vous comprenez? Parce que elle a un salon de coiffure. Oui, papa. Oui, papa. Elle a un salon de coiffure. Elle vient souvent prendre les mèches chez vous pour son salon aussi. Oui, elle vous a dit qu'elle apprécie vos mèches parce que vous faites un bon prix. Parce qu'elle achetait d'abord les mèches chez une fille qu'on appelle Élise qui vend aussi les mèches à côté de vous. Oui, papa. C'est ça? Yes. Can I do it? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que bien massé est là? It's bien massé here. Regardez, vous êtes sûr qu'on n'a jamais causé, madame? Sure? D'accord. Marlise aura une opportunité. Cette opportunité sera pour vous. Amen. Elle viendra, elle prendra des mèches en quantité. Yes. Lorsqu'elle vous donnera l'argent, parce que vous n'aurez pas toutes ces mèches, elle vous donnera l'argent, vous allez aller acheter. Et vous allez commencer à avoir des bénéfices. Amen. En lui fournissant les marchandises, vous commencerez aussi à fournir à d'autres personnes. Amen. Ainsi m'a parlé l'Éternel, c'est par cette voie que des millions entreront chez vous. Maman, regardez. Oui, papa. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu m'amuser à bien massi. Je suis venu changer des vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis rien. Je répète, je ne suis rien ni personne. Mais c'est Jésus-Christ. Amen. Celui qui m'a appelé et celui qui m'a envoyé. Amen. Et c'est en son nom que je parle. Amen. Regardez. Look. Maman, vous voyez. You see? Quand je vous vois, vous avez subi quelque chose comme Ferdinand. Have you heard something like Ferdinand? Vous avez subi quelque chose comme ça? Have you heard something like that? Il s'appelle Ferdinand. Il est où? Where is he? Il appelle ça Bouddha. Bouddhaville. C'était votre frère. Oui, Ferdinand. C'était pas un frère. It was not a brother. C'était pas un frère. Brother. Bon, vous allez dire c'était un frère. Moi, je dis c'était pas un frère. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce qu'un frère ne drague pas sa soeur. The brother does not ask his sister out.
Un frère ne drague pas sa soeur. Votre mari regarde la télé. Papa, non, c'est un autiste. D'accord, hein? C'est un musulman. C'est un musulman. Donc, ne regarde pas, gloire à Dieu. Que Dieu ferme ses yeux ce soir. God close his eyes tonight. La dernière fois que vous avez communiqué avec Ferdinand, c'est quand? When last did you communicate with Ferdinand? Papa, il peut vous dire, c'est hier qu'il est passé dans le, au salon, il me disait que vous voyez, you see? Elle veut verser le piment dans les yeux d'un prophète. She wants to pour pepper in the eyes of a prophet. Oh, c'est un frère là, Bouddha. It's a brother that is a devant un homme de Dieu. In front of a man of God. Un prophète à Rohe. A prophet Aure. Tu veux le piment? Ça ne, dis à ton voisin, ça ne so fonctionne pas. It will not function. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Let me show you. Gasrami anat respiras erat wanoskroto benota ina eslomita udalifin. Anoten wa inos prometa kalsamaner wa ina asloi filigan sao geros mon raïs mento idalferosa. L'intention de Ferdinand, c'est de vous sortir de votre foyer. The intention of Ferdinand is to take you. Il veut vous récupérer. Il vous a dit ça. He wants to que toi, tu es ma femme, je vais te sortir de la maison de ton mari, je vais t'épouser. C'est ce qu'il vous a dit, hein? Ok. Vous voyez, vous regardez, regardez. Look. Et quelque chose va se passer. Something will happen. Vous, regardez, regardez. Soyez tranquille. Vous prenez. Soyez tranquille. Be calm. Soyez tranquille. Ne l'écoutez pas. Parce qu'il vous trouble pour rien. He's troubling. Et vous lui avez dit ça, tu me troubles pour rien. Quand j'étais libre, tu n'es pas venu, tu te vantais. Maintenant tu viens. Laissez-le. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le mariage où vous êtes, gardez-le bien. Ce n'est pas une erreur. It's not an error. Amen. Ce n'est pas une erreur. Amen, amen papa. Ah, attendez, attendez. Wait. On est quel jour aujourd'hui? Nous sommes quel jour? Mardi. Tuesday. Jeudi passé. Last Thursday, vous étiez chez vous, même déjà dans votre salon. In your parlor. Vous réfléchissiez que est-ce que je ne me suis pas trompé dans le mariage ici? Et ce n'est pas l'erreur. Depuis deux semaines, je pleurais. Ce n'est pas une erreur. Même aujourd'hui. Oui, c'est vrai, papa. Son mariage est un mariage béni. Restez là-bas, ne bougez pas. Stay there, don't shake. Yes. Non, ne bougez pas. Don't shake. Si c'est bon, je vais te dire que c'est bon. Si c'est mauvais, je te dirai que c'est mauvais. Maintenant, vous voyez, regardez. Quand je vous vois, je suis étonné moi-même. La femme, si chaque homme qui l'a aimé et qu'elle a quitté, l'a toujours poursuivi. C'est vrai, papa, c'est vrai. L'a toujours poursuivi. J'ai vu un monsieur qu'on appelait Simon. J'ai vu un jeune qu'on appelait Simon. Oui. Qui vous aimait. Qui voulait aussi vous épouser. He also wanted. Il est où maintenant? Where is he now? Il est à la salle. Ça va, oh. Je vois quoi? Je vois le père en train de la revendiquer et de dire qu'elle est sa femme au point d'être prêt à aller voir quelqu'un pour faire le travail pour la sortir de son foyer. C'est vrai, papa. Hein? C'est vrai. Il vous a dit que par tous les moyens, il va vous sortir. Même s'il faut aller voir les marabouts, il va vous sortir de ce. Zamate kawa innos promiden anoten galosa wa anaheslomi filiga. Maintenant écoutez. Now listen. Sachez que le Dieu des cieux vous aime tellement. That the God of heaven loves. Parce que so dans much. Votre famille, because in your family, vous avez subi beaucoup de choses. You went through a lot. Mais of votre innocence a plu au Dieu des cieux. But your innocence. Vous êtes une personne qu'on a beaucoup offensée. You're someone. Mais vous ne rendez so jamais le mal but pour le mal. Amen, papa. Amen. Quand vous rentrez ce soir, vous saurez qu'un prophète a visité bien ma chérie. Vos finances sont libérées. La frère.
actually.